Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'elle va annoncer plein de choses. Alors déjà, eh bien je suis de retour officiellement, le break est terminé, enfin le break sur la chaîne est terminé, et le break dans le travail commence, ce qui fait que je suis en vacances, ce qui fait que l'un dans l'autre, je vais pouvoir faire des vidéos et ça c'est bien. On a terminé de galérer, on va avoir du temps pour nous, c'est très 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 bien. Deuxième annonce, alors la deuxième annonce, c'est une annonce et des remerciements. La deuxième annonce, elle concerne le matériel. Alors si vous ne me suivez pas sur Twitter, vous n'êtes pas au courant, mais le matériel a changé. Enfin, ça faisait presque un an et demi déjà que je voulais changer mon PC qui commençait sérieusement à souffrir, vous l'avez remarqué sur plusieurs séries, notamment sur Total War Warhammer, où on a vu les limites de notre, du système, hein, tout simplement, parce que, parce que ça ramait un peu du cul, ou quand ça ramait pas, c'était moche. Et les limitations techniques ont fait en sorte que j'ai décidé de ne pas trop faire de séries sur ce jeu alors qu'il me plaît évidemment. Donc tout ça c'est terminé. C'était prévu initialement pour le mois de septembre, j'avais prévu ça, mais à cause d'une recrudescence de dons sur Tipeee notamment, et du fait qu'on m'a offert de façon plus personnelle la somme qui manquait, j'ai pu acheter le matériel avant la fin. Avant la date prévue, avant fin septembre en fait, et donc j'en suis très ravi. Donc évidemment, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné à un moment ou à un autre des tips, merci à tous ceux qui sont abonnés à mon Tipeee et qui suivent la chaîne de façon régulière. Je vais pas tous les citer parce que vous commencez à être nombreux, mais si vous avez donné de l'argent, je pense que vous vous en rappelez. Du coup, c'est à vous que je m'adresse. Merci beaucoup. Grâce à vous, la chaîne est dotée d'un matériel, pas encore tout à fait du futur, mais au moins du présent, et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, alors par contre, c'est pas une raison pour arrêter de filer du blé. Non, je déconne. Je déconne. Vous faites ce que vous voulez. Ça c'était la deuxième annonce. La troisième annonce, c'est qu'on va commencer une série sur Total War Warhammer en ultra. Et oui, ça passe comme ça. On va donc faire une nouvelle campagne. Œil du Vortex, je sais qu'on l'a déjà fait, l'œil du Vortex, mais j'ai envie de jouer un perso qui me tient à cœur. Alors le perso qui me tient à cœur, qui a été rajouté lors du dernier DLC, donc hein, The Queen and the Crown, c'est Alariel. J'ai évidemment une grosse affinité avec le Roi des Ombres. Malheureusement, au niveau du gameplay, j'ai pu tester de façon personnelle les deux armées. Et même si le personnage est charismatique et tout, j'ai quand même une préférence pour le gameplay offert par Alariel. Tout simplement à cause du mix d'unités entre elfes haut et elfes sylvains, qui donne des possibilités tout à fait intéressantes au niveau de l'armée. Voilà, c'est vachement bien en fait. Donc c'est un peu dommage de passer à côté d'un petit let's play avec Alariel. Alors je ne sais pas si on va faire la campagne entière de l'œil du Vortex avec Alariel. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est ce qu'elle aurait fait, je pense, à notre place. C'est unifier Ultuan, tout simplement. On va reconquérir toute l'île et faire en sorte que les hauts elfes vivent dans la prospérité. Alors, défi initial difficile, on va bien évidemment pas jouer en normal. Je mets pas très difficile, parce qu'en très difficile, en fait, c'est juste que les ennemis ont plus de thunes, et ça me casse un peu les noix. Donc on va simplement se foutre en mode difficile, hein, ça suffit pour avoir... Ouais, parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que là, on va se taper des malus à la con de type... de type mécontentement et tout, et... En fait, ce que j'aimerais... C'est une IA compétente, mais pas une IA qui triche. Voilà, donc voilà. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Ça va être bien. Alariel, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo de présentation, du coup. Donc, elle reçoit des bonus quand toute l'île est contrôlée par les elfes. Et évidemment, elle subit des pénalités si c'est pas le cas. Elle a des bonus pour avoir plus de héros de type demoiselle d'honneur. Et elle a un rabais de 75% sur l'invocation d'Isha. C'est normal, c'est l'incarnation d'Isha sur Terre. Elle accorde des bonus persistants aux régions qu'elle visite. Elle s'affaiblit à mesure que le chaos se renforce. Donc il va falloir combattre le chaos assez violemment, quoi. Et elle apporte des bonus aux dégâts des tirs des Sœurs d'Avelorn et des Demoiselles d'Honneur, qui sont des unités et des héros rajoutés par le dernier DLC. Tout simplement. C'est parti. Allez. Qui sont les Asur? Un énigme pour hommes et dwarfs. Who know them as high elves.
At the center of the great ocean lies Ulthuan, a paradise created by the Old Ones. But when the stellar gates collapsed, demons flooded the mortal plane. All was lost until Anarion the Defender strode forth. The first Phoenix King vanquished the demons with the aid of the Archmage Kalador Dragontamer. It was Kalador and his elven mages who created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the excess magic, withering demonkind. With the world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians and stewards. The twin-tailed comet is oft seen as an omen, but this time, its wake brought great peril. The dragon with two tails flies lower than before. Its trail disturbs the vortex. I have felt a change in the winds of magic. Then right it, brother. Lead the mages of Saffari. Bring all in the White Tower to bear if you must. Such lore is currently beyond us. I suggest a scrying ritual in the Pool of Isha. It may provide us with the answer. Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Loremaster Talarion. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here, in Ulthuan. Why do you care so much about the greater world? Why do you not? Stay here, brother. Protect Ulthuan. But I venture beyond our borders. And while you meddle in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. Bon, on s'est laissé la petite vidéo parce qu'elle est quand même très très sympa. Elle nous permet de nous rappeler les différences de caractère entre les deux frères, Tyrion et Teclis. Un étant beaucoup plus ouvert au monde extérieur que l'autre. Mais nous n'allons jouer ni l'un ni l'autre. Nous sommes la Reine Éternelle. Ou l'Ever Queen, comme on dit dans le métier. Isha cries. Her tears stain the world. Peace evades us, and I will not stand idle. The Ever Queen strides beyond Avalon's borders. Cain's servants threaten the very nature of my realm, having seized the Phoenix Gate. News reaches me of further murderous fleets setting voyage across the great ocean, inspired by the Queen of Harganeth. Others look to harm the Asur, while the vortex remains unstable. Across the chill waters, followers of chaos spread their corruption, planting a seed of pure evil into my weakening heart. But great strength can be found in mysterious places. Great power resides within the Shrine of Cain, one that can twist the mind of its master, but also slay those who stand in his way. The time to make our stand is now, sisters. Isha is with us, for I am the mother and the protector of Ulthuan. Voilà pour le petit speech d'Alariel. Donc je le rappelle, nous sommes la reine d'Ulthuan, hein, et des Oelfes, juste ça. Notre contrée, c'est Avalorn. Donc Avalorn, c'est cette zone-là, normalement, qui est une zone sacrée et boisée. Ici, pour l'instant, on y a
des elfes noirs, mais ils vont pas rester là longtemps, bien évidemment. On va les bouter hors d'ici très 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 vite. Alors, donc normalement, si je ne me trompe pas, on va quand même regarder. Alors assurez-vous qu'on fasse un camp de ralliement. Ok, c'est notre première mission. The crone sends her puppets to find lore she is unable to learn. Her twisted soul could never attain such knowledge naturally. We must stop them obtaining the scrolls of Hecate. Ok, donc en fait on a une rivalité personnelle, on dirait, avec la vieille peau d'Arganet. Hop. Alors, reine d'Ultuan, capturer et occuper une colonie appartenant au fléau de Kaine. Ok, donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'une part avancer dans notre quête des fragments gardiens, ça on le savait, et ralentir la quête de nos sombres cousins en les empêchant de réunir des parchemins de... Je ne sais plus, c'était marqué... Les parchemins de je ne sais plus quoi. Bon, peu importe, de toute façon, nous, c'est pas trop notre truc, les parchemins de je ne sais plus quoi. Je voulais juste voir un truc. Normalement, on est en ultra. Voilà, au moins comme ça. Je pense qu'on va voir la différence. Alors, on commence avec le Val de Gaïn. Ou Gaïan, je sais pas comment ça se prononce. On nous demande de faire un camp de ralliement. Ça m'emmerde un peu de le faire là, j'avoue. Parce que c'est absolument pas... intéressant de faire ce genre de construction ici. Il y a d'autres constructions qui sont tout à fait intéressantes par contre. Les racines du monde. Les racines du monde nous permettent de recruter des unités elfes sylvains et bien évidemment ça va être notre priorité. Vous voyez qu'à l'Ariel, de base, commence avec des dryades, des lanciers, des sœurs d'Avelorn, des patrouilleurs illyriens et des lémures. On va rajouter à ça une demoiselle d'honneur, une handmaid, qui s'appelle donc Joës Pharilis d'Alterion. En dépit de leur nom, ce sont bien plus que de simples courtisanes, de redoutables émissaires militaires investis du pouvoir de la reine éternelle. Ouais, c'est pas des nazes, évidemment. Et nous, on va directement leur sauter à la tronche. Alors, Alariel est équipée de base de deux de ses objets magiques, hein, qu'elle avait complètement dans le jeu de plateau d'ailleurs, hein, donc la bannière d'Avelorn et le corps d'Isha. Le corps d'Isha améliore le temps de rechargement et l'attaque en mêlée. Idéal pour une unité de sœur d'Avelorn. La bannière, elle, augmente le taux de rechargement de la puissance, donc je pense qu'on va la porter nous-mêmes, tout simplement. Ensuite, bah, vu la taille de la garnison... To battle, exactement, on va leur sauter à la tronche. On va pouvoir se délecter des graphismes nouvellement acquis. Pendant que j'y suis, je ne saurais que trop vous conseiller, comme d'habitude, de proposer vos noms pour des régiments et puis pour des héros, voire même pour des seigneurs. Comme d'habitude, je vais faire en sorte que cette série soit plutôt interactive. Enfin, du moins qu'elle vous fasse participer. Alors là, déjà, on a des vents de magie tout pourris. On va parier, évidemment. Ranald est avec nous. Sauf que ce serait plutôt Loek, parce que Ranald est un dieu humain, et on le prie pas vraiment. Hein. C'est pas trop notre truc, Ranald. Donc on va planter les patrouilleurs illyriens, là-bas. Les dryades aussi, en fait. Voilà, on peut... Bon, ils sont pas spécialement planqués, mais bon. On va faire quelque chose comme ça. Peut-être les lémures en position centrale, parce qu'on est quand même sur des trucs qui encaissent graves. Hop. Hop. Un petit groupement qui va bien. Et on va regarder de plus près ce que ça donne. Parce que ça doit avoir de la gueule. Alors c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la lumière, que là on est un petit peu sur un espèce de crépuscule ou je ne sais pas. Donc on voit pas bien. On voit quand même, voilà, la demoiselle d'honneur, merde, reviens demoiselle d'honneur, qui a vraiment, de la gueule avec cette espèce d'arc fantomatique. De la même façon, les demoiselles d'Avelorn, c'est quand même super classe, on peut pas dire le contraire.
Vraiment, vraiment, vraiment super classe. Bon, allez. On parle, mais on combat pas beaucoup les druquis. Assurez-vous d'utiliser vos soldats montés pour un effet complet. Harcelez la formation des ennemis et frappez leurs points faibles. Merci, cher ami, merci. Feu! Tout de suite, on va essayer de mettre à mal ces gens. Ouais, ouais, on les met à mal, je sais pas, on va essayer de protéger ces gens un peu. Allez, on va aller au contact maintenant. C'est parti. L'ennemi attaque vos flancs, commandant. Repoussez-le. À l'arrière, elle va pas spécialement faire grand-chose. Si elle peut aller dans des affrelances, parce que franchement, c'est pas bien violent, des affrelances. Nous, on va peut-être aller plutôt par là-bas. Ici, on va passer en mode cac. Allez, en avant les filles. On leur saute dessus. Du moins, ce qui en reste, il reste pas grand chose a priori. Là, on va avoir une charge de dos. Les dryades qui arrivent pour prendre les affrelances de dos. Pris entre deux feux, ils vont se faire écraser, bien évidemment. Ok, donc là, c'est écrasé. Allez, allez, on écrase, voilà, donc là, la charge de dos des patrouilleurs illyriens qui va mettre en déroute totalement les troupes adverses, et c'est une victoire facile, hein, c'est normal, c'est la première petite bataille tranquille. Voilà. Aucun problème majeur. Mais c'est bien normal. We are the world's protectors. Un petit peu d'argent. On va évidemment occuper la daube éternelle. Mission accomplie, 1000 de trésors, 8 fragments de gardiens et un bonus mère et protecteur. Voire même mère et protectrice pour le coup, mais admettons. Les druquis ravagent nos merveilleuses cités. Ouais. Nous devons les renvoyer vers leur terre gelée, nous dit Alariel. Tu m'étonnes. Gardez une province entière. Serve votre cause, gagne de l'expérience avec le temps, mon seigneur. Oui, oui. Vous de les guider dans leur progression pour mieux vous servir. Vous avez obtenu de l'expérience et pouvez désormais développer votre vie. Je sais. Donc ça, en fait, il me remet ça parce que je viens de réinstaller le jeu, du coup, sur le nouveau matériel. Mais on connaît tout ça, bien évidemment. Je désactiverai le tutoriel pour la suite. Sang de la terre, régénère les PV des gens, on l'a déjà, mais on va l'améliorer. Durée de l'effet augmentée, bah ouais, évidemment, on comprend. On a le corps d'Isha et la bannière, oui, oui, je sais, merci, merci, merci. Texte et audio. Oh. Bah, minimal, merci beaucoup. Oui, je sais, je sais. Tourment du monde mortel. Taille de l'aura du commandement plus 100%. Hein. Ok. Ok, donc ça, on est sur... La corruption chaotique dans la faction d'Alariel est inférieure à 25%. Ok, donc en fait, 25.
Et plus ça va, plus on va souffrir. Alors on va recruter ce qui fait notre force, c'est-à-dire des archers, évidemment. On va pas construire ici le truc qui nous a été demandé, parce que je vais le faire plutôt à l'Adobe Éternel ou à Thor Savior, Saroir plutôt. Ça me semble vachement plus pertinent. On va rush de toute façon l'autre zone et on va la débarrasser des druquis qui s'y trouvent. Ça devrait pas être un problème majeur. Capturer la porte du phénix. Ah là, par contre c'est plus compliqué déjà, donc on va se détendre 2 minutes. Hop, on va jusque là. On passe 2 tours et on leur saute à la gueule. Oui, les tours, c'est pas la même non plus. Hein. Allez hop, Thor Saroir. Hop là. Et on occupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un level supérieur, on va bien évidemment reprendre son de la terre. Ça c'est à max, ok. On a ici notre héroïne. La reconstitution des troupes, c'est pas mal. Hein. On va commencer par ça, ouais. Ok, donc ici on a 2 bâtiments comme ça, qu'on nous dit. Donc j'ai défoncé celui-là, qui ne sert à rien pour à l'heure actuelle. On va peut-être essayer de faire un peu de commerce et de diplomatie. Mais avant toute chose, ici, je veux intégrité, rang de recrutement pour toutes les unités. C'est intéressant. On va peut-être commencer par ça. Ensuite, le rite. Ouais, c'est pas utile de le faire maintenant. La technologie, on peut pas le faire maintenant. La diplomatie, on peut le faire maintenant. Alors, Saferi. Il nous déteste. Gothique nous déteste. Et Illyrion. Est-ce qu'il veut un accord commercial? Parfait. Un pacte de non-agression? Ils veulent pas. Très bien. Donc Saferi et Gothique ne veulent pas entendre parler de nous. Lothairn, qui je rappelle, il est notre champion, normalement. Un peu notre amant, en passant aussi. Donc évidemment, il va accepter. Il y a plutôt intérêt. Crasse. Ils sont presque motivés. Et voilà, donc là on a quelques alliances. On va ensuite se diriger à la porte du phénix. Alors, et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est ça, en priorité. Ici, dresseur d'animaux exotiques. Coup des grands aigles, tout ça. Bon, après, c'est sympa pour le commerce. Après, le commerce, est-ce que c'est la priorité? Oui, évidemment, c'est la priorité. La garnison, ici, elle risque d'être un petit peu plus vénère. Allez hop, on va essayer de faire cet assaut avant de passer à la suite. Ouais, parfait, c'est ce que je voulais. On va donc passer en mode de déplacement normal, aller aux confins là-bas de la province et recruter des régiments qui d'habitude ne sont pas disponibles dans la faction des hauts elfes, c'est-à-dire 4 régiments de dryades. Alors ça va nous coûter la peau du fût, oui c'est ça, ça va nous coûter la peau du cul en revenu. Mais bon, c'est un, je pense que c'est un investissement qu'il faut savoir faire. À un moment.
Undivided attention. Elirion. Un pacte de non-agression avec Elirion. Oui, si vous le souhaitez. C'est des gens bien, ces gens d'Elirion. Pour l'instant, j'ai aucune raison de les voir comme des adversaires potentiels. Ah, Fuc. On va peut-être même passer en marche forcée. Voilà. Et on leur sautera à la gueule lors du prochain tour. Ici, on peut améliorer ça. Ce qui va améliorer le commerce. Ou ça. Ou les deux. Bah, les deux, c'est bien. Ici, on n'a plus besoin de recrutement supplémentaire. On va donc passer en quoi ? On va essayer de booster un peu les revenus. Et on va lancer l'assaut pour terminer cette vidéo. Oula, qu'est-ce qu'ils foutent ? Je crois qu'on est dans la même guerre. Ceux qui murmurent. Les elfes à la cour s'adonnent à bien des manigances pour parvenir à leur fin. Il est courant d'employer des elfes inférieurs plutôt, ainsi que des domestiques comme intermédiaires, allant délivrer discrètement des messages. Lorsqu'un de ces messagers est intercepté ou mis à nu, ce qui n'est pas rare, la seule solution est de le réprouver afin de sauver sa propre réputation. Ouais, on le dénonce, classique. Alors, on doit construire des archives et des jardins elfiques. On va s'occuper de ça. On a un nouveau niveau, ici. Tu vas être maître d'armes. On va passer en mode de mouvement normal et lancer l'assaut sur la porte du phénix, cette fois. Ouais. Ça va être autrement plus balèze. Ça va être autrement plus dur, mais au moins cette fois, il y aura probablement du challenge. Là, on n'a rien. Hein. On n'a pas de machine de guerre. On est parti comme ça. On va se lancer à l'assaut des murs. Je pense que les dryades sont quand même plutôt résistantes. On va pouvoir en envoyer des kilomètres de dryades. Bien, parfait. Les dryades, rappelez-moi un peu vos stats, parce que... Faible contre les armures, oui, bah c'est pas connu, enfin c'est pas réputé pour être vraiment très... Alors... Les lanciers... Ok, donc les lanciers ont moins d'armure. Cela dit, ils ont plus de chance... Les lanciers ont plus de chances de résister au tir, en fait. Donc on va bien évidemment essayer de faire comme ça. La vitesse de base des dryades, c'est quoi? La vitesse, c'est 36, les lanciers, c'est 33. Ouais, oh, ça peut aller. On va commencer par... Donc les lanciers devant. Qui vont être là pour encaisser. Des pavasses... De dryades derrière. Les lémures. Alors les lémures, eux, ils sont en métal. Ils vont aller essayer de défoncer la porte. Je sais pas s'ils vont y arriver. On verra bien. Donc ça, c'est notre première ligne. Hop là. Ensuite vient... Je sais pas si c'est ensuite ou avant. Parce qu'en fait, techniquement, on va tirer plus loin qu'eux. On va se faire allumer par les tours, mais... Je sais pas si le trade, il est... Ouais. Je pense que le trade est utile quand même, en fait. De toute façon, on va voir. Hein. Si c'est pas utile, au pire, on passera autrement. On va faire ça comme ça. Toi, tu viens là avec eux, à la rigueur. Tu fais même un groupe avec elle.
Ouais, comme ça, on va partir comme ça. Allez. Ouais, vous avez vu la portée de nos tirs, hein, je rappelle, ça a un peu abusé même. On va avancer comme ça. Et comme ça. Allez, en avant. Donc ouais, il commence à tirer, mais ce qu'il tire, c'est les... comment ? Ce ne sont que des... On n'est pas tout à fait à portée de tir. Comme on n'est pas tout à fait à portée de tir... Bah, l'important, c'est de... Comment ? Que eux ne soient pas à portée de tir. Vous voyez, on peut avancer assez largement encore. Hein. On va faire une grande ligne comme ça. Les troupes derrière. En avant, les gars, en avant. Alariel va essayer de soigner les unités qui se font abîmer. Feu! Voilà, donc là, à partir de maintenant, on devrait... leur faire du mal. Ouais, c'est pas ultra efficace, évidemment. Bon, oh, quoique. C'est pas si mal non plus, hein, l'air de rien. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut pas vraiment tirer sur d'autres personnes. Ah, je vais pas utiliser tout mon mana. Parce que pour l'instant, en fait, ils se contentent de tirer sur nos tireurs. Mais nos tireurs, c'est pas les mecs qui vont prendre le truc d'assaut, de toute façon. Donc, si on subit quelques pertes, c'est pas non plus dramatique, quoi. Comprenez ? Je vais encore avancer d'un pas, en fait. Pour peut-être permettre un meilleur angle. Ouais, je peux pas faire ça parce que là on va avoir des problèmes si je fais ça. Allez, feu les gars. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est pas sensiblement mieux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on va aller voir la gueule des druquis sur les murs. Et ils sont prêts à nous recevoir. Hein. Bon, ils prennent évidemment. Eux ils prennent pas assez, je trouve, là, les sombres traits qui se trouvent ici, mais bon. On n'y peut rien. De notre côté. Regardez la pluie de flèches qui s'en va de nos rangs pour frapper les rangs adverses. On peut même se mettre en mode... Alors c'est pas celui-là le mode cinématique, dommage. Dommage, dommage. J'aurais beaucoup aimé. Bon bref, on va arrêter, peut-être. Bon, quoique il nous reste encore des munitions. On a donc aucune raison particulière d'arrêter. Ce qui me ferait plaisir, c'est... Est-ce que vous pouvez... Oh non, vous allez continuer votre taf. Continuez votre taf comme vous le faites. C'est très très bien les gars. J'aurais peut-être aimé que eux prennent un peu plus de tirs dans la tronche, par contre. Vous pouvez faire quelque chose pour ça, les gars, ou pas? Ah, ça semble possible, mais est-ce que ça touche? Parce que là, ils sont sur le flanc et en profondeur, donc il y a moyen de faire du mal. Ouais, on fait du mal, c'est très très bien. Voilà, prenez ça dans la gueule.
C'est parfait. Dès que les unités n'auront plus de... Comment ? De munitions, je les ferai back, tout simplement. Bien, vous avez bien servi. On va sortir des zones de tir pour les unités qui ont fait leur boulot. Les gars, vous êtes beaucoup trop près. Ce qui se passe quand vous êtes beaucoup trop près, c'est que vous en prenez plein le cul. Bah ouais. Allez, cassez-vous. Ici c'est pareil. Plus de munitions. Et là, ça va être fini également. Bah, je pense qu'il va être l'heure de donner l'assaut, chers amis. En avant. Voilà. Évidemment. Prend un peu cher. Allez. À l'assaut les gars, à l'assaut. Est-ce qu'on peut monter sur le côté là? On peut pas monter sur le côté, c'est un peu triste. Bouh. Vous m'attaquez les... Non les gars, non. Vous attendez votre tour en fait. À l'assaut. Non, vous non. C'est complètement pas votre job les gars. Vous avez pas compris vous avez pas compris le délire. C'est pas grave hein. Ici on peut pas... Ok. Voilà, ok, donc là on a quand même des lémures qui tambourinent à la porte, il y a moyen que ça craque à un moment. Va falloir qu'on ramène peut-être... à l'Ariel, ici, c'est parti. À l'assaut. Évidemment, les premiers lanciers qui vont arriver là-haut vont prendre cher. Hein. C'est pour ça que Alariel est là. Non, les gars, non. C'est pas ça que je souhaite que vous fassiez. La porte est ouverte. Il y a quoi en face? Des corsaires. Parfait. Enfin, parfait. Façon de parler. En avant. On envoie la cavalerie également. Les gars. En avant. Ici pour l'instant c'est la cohue totale. Ok, donc pour l'instant ils tiennent mais je pense pas qu'ils tiendront longtemps. Ouh, on est encore en train de se faire allumer. Fuyons plus loin que ça, s'il vous plaît. Allez, on soigne. Je pense que là-bas, il y a moyen de faire craquer un peu des choses. Allez, en avant. Ils
sont très résistants, comme vous pourrez le remarquer. Allez, on soigne tout ça. On est au combat. Je sais pas si vous pourront descendre. Ça me ferait très plaisir. Les gars, vous avez tout tué. À l'assaut, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont des comment ? Ce sont des gardes noirs là, donc faut quand même envoyer masse de trucs dessus, sinon on risque d'avoir des pépins. Ouais, là c'est vraiment la grosse mêlée. On continue de booster un peu tout ça. Ah parfait, on a des dryades ici qui se sont libérées. On va peut-être pouvoir aller contourner leur, ce qui leur sert de général là. Qui c'est qui a été Ah c'est les patrouilleurs illyriens. Ouais bah les patrouilleurs illyriens assez logiquement ils se sont fait assez défoncer par les gardes noirs. Ouais les gardes noirs c'est un truc qui est un peu violent quand même. Non les gars on passe à travers. Là on charge s'il vous plaît. On va contourner. C'est quoi ça? Ah bah les patrouilleurs illyriens, j'ai bien l'impression qu'ils ont rendu l'âme. Allez. Allez. On engage comme je souhaite qu'on engage, s'il vous plaît. Comme ça. Voilà, parfait. Ah il en reste encore un paquet, putain. Il en reste encore un énorme paquet. On va soigner tout ça. On va faire rentrer à l'arrière même. À l'intérieur du truc. On va améliorer la défense de nos amis ici. Ouais parce que les gardes noirs... C'est vraiment des grosses saloperies, comme on dit. Allez. Ils sont vraiment très solides. Hein. Mais ici, il y a de la garde noire aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Ah, ils sont ébranlés, mais... ils sont pas si ébranlés que ça. Ils tiennent bien, hein. Garde noir contre dryade. Bon, on va faire descendre du monde au final. On peut faire descendre du monde. Il est où leur truc à prendre? Il est là sinon, parce qu'au pire on envoie des gens. Oh là là, ce qu'on prend. Allez, il faut renvoyer du monde sur ces saloperies. On va même y aller avec Alariel. Histoire de donner encore un petit coup de boost. Ouais, je pense que là, ça ne servira plus à rien. Ah ouais. On a des gens qui fuient, malheureusement. Enfin, entre fuir et mourir, à la rigueur, je préfère qu'ils fuient, hein, on est d'accord. Mais... On balance un coup de heal là-dedans. Ah ouais, c'est rude, hein. C'est vraiment, vraiment très rude. Hein. Si vous pouvez se rallier et puis aller chercher ça, là. Ah, nickel. Les gars, vous n'êtes pas vraiment en état de faire quoi que ce soit d'autre que d'aller chercher les objectifs.
La garde noire meurt mais ne se rend pas. Mais pour le coup, j'apprécierais qu'elle meure plus vite. Ça m'arrangerait. Allez. Voilà, ouais, c'est un massacre total. Un massacre d'elfes total. Eux, est-ce qu'on les fait revenir? On peut pour apporter du nombre éventuellement, mais... Enfin, c'est pas très utile en vrai. Allez! Ils sont encore 49, putain, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Allez, dépêchez-vous, vous! On va peut-être passer même en vitesse accélérée parce que. Parce que je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour l'instant, en fait. Et qu'on est en train de paumer. On va peut-être même finir par la perdre, cette bataille, à force. Ils ont plus de morale que nous. Ils ont plus de force que nous. C'est assez dingue. Hein. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils foutent, là, ces gens? Des corsaires, des arches noires. Allez. C'est bon. Waouh! Eh ben, ça a été dur. Ça a été très 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 dur. En même temps, c'est ce qui était marqué. Ça risquait d'être dur. Bah voilà. Ça l'a été. La bonne nouvelle, c'est que normalement, on n'a perdu aucune unité dans la bataille. Et qu'on contrôle maintenant la porte du Phénix. Donc la porte du Phénix, qui est une forteresse, une des forteresses, qui garde les passages entre les montagnes et qui permet d'assurer en fait la sécurité des royaumes intérieurs. On occupe. Voilà. On a eu la pierre bouclier d'Isha. Excellent. On va prendre le petit niveau qui va avec. Hop. Et puis on va arrêter là parce que je pense qu'on a déjà assez joué pour cette premier épisode. Ce premier épisode qui a déjà duré 47 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est n'importe quoi. Donc bah, j'arrête là, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si les nouveaux réglages et le nouveau matériel, si vous trouvez ça bien. Et puis n'hésitez pas non plus à dire si vous voulez renommer un régiment ou un héros ou un seigneur. Allez, à bientôt les gens, bye bye.